défendre l'idée d'une technologie qui est un outil. Donc, il ne faut pas avoir une sorte de jugement moral que c'est bien, c'est pas bien. Et donc, comme étant un outil, il s'agit de l'utiliser à bon escient. Et pour nous, à TechFugees, c'est l'idée d'utiliser la technologie pour rendre service aux réfugiés. Donc, regarder à l'usage que font les réfugiés de cette technologie et quels sont leurs problèmes pour résoudre, et quels problèmes ils ont pour utiliser ces technologies à ces problèmes-là, mais aussi défendre une vision que il faut responsabiliser les personnes créatrices de technologies, qu'elles ont en elles les potentiels de venir en besoin à des publics qui sont en fait pas intégrés ou qui sont plus sensibles. Donc vraiment de mettre au service de l'humain la technologie. Et c'est une intention, et c'est des usages, mais c'est avant tout une intention. Alors on regarde à peu près toutes les technologies. Il y a des chatbots pour avoir l'accès à l'information sur ses droits, sur les services disponibles ou sur la santé et les services de santé qui seraient disponibles à une femme réfugiée par exemple. Mais on a aussi de la blockchain qui va essayer de venir en leur besoin de papier d'identité et de valider des choses qu'ils auraient acquises au cours de leur vie qui ne leur sont pas reconnues en France. Ça peut être des diplômes, ça peut être des compétences. Et puis, ça peut être tout simplement des applications ou des sites d'information assez agiles qui peuvent s'être à jour. Mais dans tous les cas, ce n'est pas une technologie spécifique, ce n'est pas des technologies révolutionnaires. C'est l'idée qu'aujourd'hui, on a accès grâce à nos téléphones mobiles à de l'information. On peut même avoir des services qui sont livrés grâce au téléphone mobile et donc d'utiliser cet élément-là dans toutes ses variations possibles pour le mettre au besoin des réfugiés.